Allez, direction la mer. Alors déjà, un très bon anniversaire à Marco, à Jean-Marc, pour ses 47 ans. Tu veux dire bon anniversaire, Tom? Bon anniversaire, Marco. Chérie, Bon anniversaire, Marco. Allez, on va filmer tout le long. Alors si je baisse, c'est qu'il y a des gens. Les bateaux. Je vais mettre là. Je vois rien. Ah, les bateaux, le port, il est grand le port. Hein. Le port il est grand et là c'est que la moitié et une autre moitié qui est de l'autre côté là-bas des maisons. On va essayer de voir les poissons. Là, ça va être compliqué avec le soleil. Il y a le reflet du soleil, ça va être chiant. Je le ferai ce soir. Donc là, on se rapproche de Luna Park. On va passer devant. De toute façon, on vous le montrera. Là, au bout du doigt, il y a le grand 8. Vous voyez, hein, ça va très très loin là-bas au fond. Je sais pas si vous verrez. Je vois pas trop ce que je filme, moi, parce que vu qu'il y a le soleil. Les pêcheurs du dimanche. Allez, remontez là. Là, on va passer sur le pont. Donc ça se voit que je marche depuis 2 jours. Je suis déjà moins essoufflé. Quand je suis arrivé, c'était... Ah, j'aime bien ce passage. On va passer au-dessus. Donc on vient de là. Je vois même pas mon doigt. Voilà. Ça va de l'autre côté. Là-bas. Et on va y revenir après. Donc là, il y a Dino Park et Luna Park. Des loisirs.
Je vais essayer de pas me faire bouffer par le T-Rex. Donc vous verrez, hein, le temps de la vidéo, bah, c'est le temps du trajet qu'on met pour aller à la mer. Et là, on est tranquille. Il n'y a qu'un passage clouté qu'on va traverser. Ah, il m'a chopé. Ah, il m'a chopé. Avec tous les petits magasins. Donc là, faut juste se méfier là parce qu'ils roulent comme des. Hein, on va pas le dire. Mais je le pense tellement fort. Voilà, comme lui par exemple. Miaou. Alors là, c'est un beau petit sentier. Ce qui est dommage, c'est que la nuit, bah, c'est tout déglingué. Voilà. La poubelle, elle vient pas de là, hein, ce qu'il y a de sûr. Les détritus. Voilà. Donc c'est ceux qui font la teuf la nuit, hein, qui foutent le merdier. Il faut scruter aussi les bouts de verre qu'il y a par terre. Parce que nous sommes en chaussures de sécurité de plage. Allez, change de bras parce que je prends des crampes là. Moi j'adore, c'est les arbres ici. Là il y a un bel olivier là. Attendez, putain, ça c'est des accidents de la route. Un gravier dans la tongue. Ah, faut vraiment faire gaffe, c'est au bout de verre, parce qu'il y en a de partout. Bon, oui, hein, c'est le genre de poubelle qui devrait être là normalement, celle qu'on a vue au début. Et là, on va passer devant l'île aux loisirs. Donc c'est des gros toboggans, il y a plein de jeux, il y a une espèce de gros sac, un gros coussin d'air. Il y en a un qui se met au bout, puis il y en a deux qui sautent dessus et ça les jette en l'air. Attention vélo. Là, de ce côté. Donc voilà, l'île aux loisirs, les toboggans, il y en a là-bas au fond aussi, avec tous les logements autour. C'est Aqualand, là-bas. Donc ça fait un bras, hein, un bras d'eau, qui vient de là, qui vient de l'autre côté. Et là, on est à 2 minutes de la mer, on arrive. On la voit déjà un petit peu. Alors, il risque d'avoir un peu du bruit. Hein. Vous m'entendrez peut-être plus parler pendant un moment, parce qu'en ce moment, il y a des cours de fitness sur la plage.
Donc ça fait une grosse estrade avec de la sono et il y a au moins 200-300 personnes qui font de la fitness en même temps sur la plage. Le petit drapeau. Donc voilà le fameux coussin. Hier, il y en a, il a sauté, il s'est mangé un plat, mais alors j'ai eu mal pour lui. Voilà, de l'autre côté. On entend déjà la sono. Donc derrière le Renault Master de secours là-bas, eh ben, il y a la mer, tout simplement. Donc heureusement qu'il y a les agents d'entretien, parce que sinon ça serait pitoyable les plages. Donc là on va arriver à la jungle.